presse i to play. Ok. Ça marche pas. Attends, c'est i? Ah non, c'est 1. Ah. C'est 1. Presse 1 to play. Oula. Oula là. Ça commence bien. Alors, ça contient des flashing lights. C'est agressif avec des trucs d'horreur. Bah, nickel, mais c'est ce qu'on veut. On veut de l'agression, de la peur, de la violence, du gore. La présente ou Frenchy accent. Ah, y a pas de... Oh putain, y a pas de save game. Quoi? Attention aux épileptiques, exactement. Attention. Tu vas avoir de merde comment. Oh putain, je sais plus comment ça s'appelle, Roro. Merde, j'ai pas lu. La réduc. Ok, elle a été toute seule depuis qu'elle a 7 ans. Merci, t'as un architecte famous. Vraiment un architecte vraiment connu. Elle est devenue bien connue pour de mauvaises raisons. Le jeu, il n'y a pas de save game. C'est mon intention de prouver que la suite 776 existe. Pour ça, j'ai pris... Putain, j'ai pas le temps de lire. Il faut... le seul truc à faire, c'est de ring son bell. De ring son bell, est-ce que vous avez compris? De sonner sa cloche. Et je n'ai pas le temps de lire, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis dans un ascenseur. Coucou Yandra! Encore des choses qui font peur? Bah oui, attends. Oh. Tu crois quoi? C'est samedi soir, faut jouer à des trucs qui font peur. Et Duc? Ah putain, d'accord. Bon écoute, le principal c'est que tu ailles bien, malgré tout. On est très content de te revoir sur les lives. Bah t'as dû savoir que j'avais... On va pas en parler ici, mais t'as dû savoir que j'avais envoyé un petit message à Berthe. Et on te fait plein de bisous, on t'envoie plein de courage. Et voilà. 774, 773... Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? N'hésitez pas à me le dire pour le son. Développé par Stanislaw Truchowski. Oh putain! Est-ce que c'est un jeu russe ou pas? 75, 772... Attends, mais ma suite est déjà ouverte. Oui, vous entendez bien le son. Ok. Pourquoi ma suite est déjà ouverte? Oh là là, petit effet lumière, dis donc. Attention! Donc, jeu est un dé, évidemment. Hein, je ne reprécise plus. C'est intéressant. C'est un choix intéressant. Oh non, des notes. J'ai survécu à la suite 776, c'est pour de vrai. C'est au deuxième étage. Elle est large avec des impossibles proportions. Okay, je suis venue ici pour enregistrer mon voyage. Merde, putain. Que j'avais pris une caméra, mais les vidéos ont été perdues. Pourquoi il y a un 10 là? Alors je crois que c'est... Il y a des énigmes et tout. C'est éclairé avec une lune de 50 watts. C'est vrai que c'est vachement bien éclairé. En fait, j'arrive pas à savoir si dehors il fait noir ou pas. Ah non, mais je crois qu'il fait jour, hein. Oh là, dis donc, on dirait qu'il y a des trucs qui flottent dans l'air dehors. La porte est fermée. Alors, si vous louez une suite et qu'il y a des portes fermées, déjà, plaignez-vous, c'est pas normal.
Cette bougie est vachement bien éclairée, dis donc. Je peux pas me baisser. Je n'ai pas la faculté de plier les genoux. Ok. Mais c'est énorme comme suite. La porte est fermée encore. Némé qui a pété. De quoi? Ah, ça sent le piti, j'avais pas vu. C'est en mode quoi, mais si vous dites. Ah oui, c'est super grand. Touring Bell. Bah, je crois que je vais pas avoir le choix, parce qu'il y a que ça à faire. Ça va faire apparaître un fantôme. Waouh, regardez, c'est trop bizarre. Regardez! Regardez le... Vous le voyez aussi, non? Quand je passe près du mur, il fait... je sais pas si vous le voyez bien. Vous le voyez, le bout de mur, ou pas du tout? Le jeu, c'est quoi, au final? C'est un petit jeu d'horreur indé, et... voilà. Il y a pas grand-chose à dire. Oui, oui, Naou, il fait... le mur. Non, mais vous le voyez ou pas? Regardez! Non, vous le voyez peut-être pas sur le live. C'est peut-être trop léger pour que vous puissiez le voir. Mais en gros, ça bug dans tous les sens dès que je le regarde et que je fais ça. Vous voyez pas? Putain, je vais passer pour une folle. Ah non, je peux plus ring the bell. Peut-être que je devrais essayer de ring the bell encore une fois. Vas-y, t'es chiant, j'en viens. Il fallait que je fasse demi-tour en fait. Ah, il fait jour dehors, hein. Il fait jour. Hein. J'ai bien mangé, oui, merci. Manger un peu vite encore. Faut que j'arrête de... Faut que je perde cette vieille habitude de manger en 3 secondes. Mais ça fait du bien. Parce que là, je crevais la dalle à la fin du live Enigma, j'en pouvais plus. J'ai encore ring the bell. Toujours jour. En fait, c'est très marrant parce que ici, ah ouais, ça doit être l'ombre. Mais ici, on dirait qu'il fait vachement plus sombre que l'autre côté, mais. Ah, d'accord. D'accord. Ok, ok, ok. Eh ben, restons ici. Ça a l'air sympa. Et la suite est vachement grande, quand même. Plutôt lumineuse. Par contre, j'ai pas trouvé de lit, c'est un peu emmerdant pour une suite quand même, mais... Il y avait cette boîte, hein. Pourquoi il a peur, oh là. Je supporte qu'il s'est fermé. Ah, j'avoue, ça c'est pas très rassurant, par contre. Qui fait sonner la belle? Ça fait 4 fois. Putain, sa mère. Ça m'a un peu surpris. L'horreur est dans le service. Il y a un petit bruit bizarre. Ouais. Ah, elle est au-dessus. Oh, sa mère, la... Sa mère, la lampe. Et là, le jeu est terminé. Peut-être que c'est un génie. Personne ne l'a réalisé. Je me dis pas que le jeu est terminé. C'était l'intro ou que j'avais terminé? Non mais j'ai peur parce que le jeu m'a pas coûté cher du tout. Non c'est bon. J'ai eu très peur. Ça m'est déjà arrivé hein, de jouer à des jeux ultra courts et après c'est en mode bim, c'est fini.
Vous, mortadelle. Je quitte cette chambre, moi. Carrément. NV, la charge. Ah, c'est la... Ah, je peux prendre des photos. Ouah, wow, attendez, il y a trop de trucs. Donc là, c'est pour mes items et tout. Alors, attendez. Je vais vous montrer un petit peu, parce que sinon, vous n'allez pas voir ce qui est en train de se passer sous ma tronche. Mince. Hop. Je vous mets là, les moignons. Hein. Presse... Putain, mais presse 1, tout continue. Ça, c'est très bizarre. Donc, en fait... Là, je sais pas ce que je suis en train de faire. J'enregistre? Je recorde? Ou alors c'est juste pour avoir la lumière? Et je peux prendre des photos? Vous lampadez. C'est très chiant ce bruit, tiens. C'est le tableau, c'est le tableau, c'est le tableau, pas de panique. Oh, mais il y a une caméra. Oh, il y a un petit chien. La lampe est toujours là, très bien. Donc toutes les fenêtres ont été... Voilà. J'ai perdu mon mot. Oh merde, je vois rien. Non mais c'est clair que dalle, on est d'accord. Je sais même pas si c'est la lumière ou pas. C'est peut-être bien la lumière, mais je vois quand même rien du tout, tiens. Oh, une clé. Est-ce que je peux ring the bell? Non. Je vois l'ombre d'un truc. Oh, mais... Oh, c'est quoi, ça? Un crochet? Quelqu'un essaie de pêcher quelque chose? Ah! Je suis dans l'office. Architect of the Year. Putain, on dirait un truc des Sims. Petite photo. Voilà. Ring the bell again. D'accord. Il y a trois trucs où on peut insérer des trucs. Il y a trois trous où on peut insérer des machins. Qui se ressemble un enfant à la vue d'un objet dangereux? Non. Je vois de quoi tu parles. Twitching. Quoi? Ok. Ah, c'était le docteur qui s'occupait de Merci. De Marcy. Oh bordel. Secousse. Ah merci. Putain, c'est fermé, chier. C'est la cinquième fois qu'on ring la belle, hein. Je crois que t'avais dit Twitch Sing. C'est vrai que ça m'a fait penser à ça un peu. Faut qu'on le fasse, hein. Semaine pro, absolument faut qu'on le fasse. J'ai ri. Je peux pas ouvrir la porte. Oh, coucou Epilodeox, tu vas bien? Merci beaucoup pour ton resub.
Pour ton cinquième mois de resub. Comment j'ouvre une porte? Je sais pas comment on fait. Ça se biffe. Bordel de merde. Ring ring ring, c'est marqué. Ring 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 ring. Ring ring ring. Je peux ouvrir la porte maintenant? Non. Ring ring ring. Ring 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 ring. J'y vais. Je vais ring ring. Donc forget to ring ring. Sixième fois. Ring ring. Putain, c'est la lampe, j'ai eu peur. Contre, les photos, j'ai pas compris à quoi ça servait pour le moment, mais... Putain... Il y avait des trucs, je voulais y aller. Ah bah merci. C'est gentil. Coucou Zia d'Élise. Comment je mon stage lundi? Ah, stage de quoi? One to free. One to free. Ready for a creepy me. Ah, j'ai un petit Polaroid. Est-ce que je peux le regarder? Fragment of Marcy Found Memories. Mais je ne peux pas regarder la photo, c'est un peu con. Tant pis. What? Il y a un cadenas sur le frigo. Oh non, 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 non. Ah putain, mais c'est vous! Putain, il n'y a pas eu... On est d'accord, il n'y a pas eu la notif. Merci Coco pour ces toc toc. Et pour les 200 bits. Interview réponse. Vous avez mentionné que Marcy avait une sonnette dans son bureau. La dernière fois qu'elle a lu quelque chose sur elle. Sur internet ou son travail et qu'elle ne la grille pas, elle devait ring the bell. Ah, elle sonnait la cloche tout le temps, surtout quand elle venait de finir une construction dans son nouveau chez elle, son masterpiece, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Elle était une personne en colère, n'est-ce pas? Putain, dégage le texte. Putain, mais cette horloge est partout. Elle est moche en plus. Pique. Oh non, j'ai pris quoi? Ah oh, je sais ce que je pourrais ouvrir avec. Et ça, c'est quoi? Ah. La porte n'est pas fermée. But it's a force keeping it shut. La porte. Peut-être projeter ça, voilà. Et j'ai un tournevis. Ah bah du coup je peux peut-être ouvrir la porte là qui arrive pas à s'ouvrir. C'est marqué quoi? Sonne-le encore. Rappelle-moi mes... Rappelle-toi ou rappelle-moi, je ne sais pas. De mes fêlures, de mes faiblesses. Mort. Ah, c'est la même chose. Ok. Je vais t'attraper. Regarde-moi sonner. Non. Non, non. Tu vas te calmer. Tu me rappelles mes échecs. Ah. Eh ben, prends le tournevis. Non? Cette fois. Ça, je suis en train de penser. Je suis en train de penser à un truc. On va faire comme si elle était pas là. Un truc qui pourrait être intéressant. Merci beaucoup.
beaucoup, Coco, pour les 500 bits. Je n'ai pas eu peur, je regardais le chat à ce moment-là. Je pensais à un truc qui pourrait être super intéressant. C'est genre un jeu d'horreur ou un jeu, ouais, un jeu d'horreur, où en fait, c'est t'as des énigmes et tout, et que si t'arrives pas à résoudre une des énigmes et que tu veux de l'aide, tu veux de l'aide, un indice ou un truc comme ça, tu sois obligé par exemple de ring the bell. Et que plus tu ring the bell, donc plus tu demandes d'indices pour t'aider un peu dans le jeu, plus le jeu devient terrifiant, etc. Non? Eh, ça serait une idée? Photo. Viens en haut. Non, j'ai pas très envie. Oh, sa mère, il y en a partout. Putain, délai de 15 secondes. Ah, ce bruit-là, par contre, j'aime pas trop. Ah, mais elle était là? Elle était là. Oh putain, il y en a de partout. Non, je vais pas y aller. Ah, la porte s'est ouverte. Je vais avoir le plaisir de monter, du coup. Finalement, je ne sais pas si c'est un plaisir. Ne pas entrer. Ah, il y a un gros canard. To pick up photographie. Aïe, ah non, il y en avait une, d'accord. J'ai cru que c'était pour prendre une photo. Photo. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? J'en sais rien. Ah! Y a quelque chose dans le drain. I need to try and find a way to reach it. Okay. Il va falloir quelque chose pour l'attraper. Cette suite est très bizarre. Hein. Designer of the Decade. Oh, 71-72. Très bien. J'ai encore une photographie. Je sais pas comment on sort! Merde! Comment je sors? Laissez-moi sortir! Sa mère, ça bouge. Merci Coco. Me dites pas qu'elle arrive, hein. Je peux pas sortir du truc. Ça a changé tout seul ou Je crois que ça a bougé tout seul, hein. J'ai pris une photo apparemment. Hein. Madame, votre meilleur profil, s'il vous plaît. Regarde la caméra, ma chérie. Ça paye la popette. Qu'est-ce qui s'est passé? Diggy Hook. Bah oui, c'est trop loin, je peux pas l'attraper. On a dit 71-72 pour le... code. J'ai un peu les boules de redescendre du coup. Mais tout pick up. Ah oui, j'ai mis ça dans ma poche. Nickel. Je suis moyen assuré. Tu vas te pousser, oui? Et je peux pas. C'est bon. J'ai ramassé quoi, une clé? J'ai du fil, j'ai un anneau. Mais j'ai ramassé quoi là? Ah mais c'est ça que j'ai en amassé, ok.
60 et... 60 et... Comment je change les chiffres? Ok. 71, 72. Yes. Ouais, pourquoi pas, hein, Ah, oh. Moi, j'aurais pas mis ça là, mais, Pourquoi? J'ai cru que c'était la meuf. J'ai cru que c'était la meuf. Tac. Attends, où est-ce que je peux avoir besoin d'une grosse pince? Et vous? Où utiliserez... Où utiliserez... Où utiliserez... Oh! Où utiliseriez-vous une grosse pince? En live, mais je suis fatiguée quand même. Ah oui, bon d'accord, bon bah il fallait utiliser la pince. Pour moi c'était pas logique d'utiliser la pince pour ramasser un truc, mais d'accord. Du coup j'ai une golden key. Mais oh putain, je m'attendais pas à ce que ça se voit aussi vite. Attends. Interview numéro 12. Ok. Ok, donc elle avait peur en fait des mannequins. C'est quoi ça? Pick-up, barre. J'ai une barre en or, what the fuck? J'ai une barre en or. Ring, 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 ring. Oh non. I don't think I want to do that. Bah, je me demande pourquoi. Alors Marcy, you do that. Marcy, ce n'est pas contre toi, mais tu dessines très très mal. Alors 1, ring the bell. 2, j'en sais rien parce que je comprends pas ce qui est dessiné. Est-ce que c'est la boîte rouge? Je ne sais pas. Pourquoi il y a des petits éclairs, aucune idée. Et alors 3... 3, il faut... Vous comprenez quelque chose? Ah, 3, c'est les Polaroids. Ah, oui, bien joué. Donc, faut mettre les Polaroids dans cet ordre-là, là. Par contre, les barres jaunes, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le truc en or que je viens de ramasser? Et après, il faut les spendre. Quoi? Et pas tout compris. Attends, ring the bell, on va au coffre rouge, enfin je crois. Après les popos. Vous vous souviendrez de l'ordre des popos? Faut pas mettre les lumières bleues sur les polaroids. Quelle lumière bleue? La carte au trésor du petit Tommy, 6 ans. C'est exactement ça. Coucou sa solitude. C'est ici. Daniel! Merci Coco. Ah! Ouah, je vois des choses. J'ai cru que ça, c'était une corde. C'est le coin du mur. Jing the bell. Ah, je vois rien du tout. Oh putain. Ah non, vraiment, je vois rien. Hein. Enfin, pas grand-chose. Ça, c'est juste là. Bon, maintenant, on va à la boîte rouge. Ensuite, les barres en or, je sais pas.
Putain, vas-y, laisse-moi passer. Moi aussi, j'ai vu la corde du coup, pas de honte. Ah, c'est vrai! Ah bon, ça va alors, ça me rassure. It fit! Ah, il faut trouver trois barres comme ça. Ah, mais j'ai pas trouvé les autres, moi. Les popos. Tu veux toujours pas tirer la douche? Presque déçu. Le karma. Le karma a parlé. L'air d'être une partie de la maison. Une grenouille. Sa colère. Ouais, je me sens comme du brouillard au-dessus de ma tête. Ouais, c'était marqué. Recoucou Logan. Ça t'apprendra à faire la valise, mais grave. J'ai carrément fait la valise. Hein. Oh, bah, je suis déçu. Juste après, je me fais agresser. Là, je l'ai cherché. Non, mais je l'ai bien cherché. Vous pouvez le dire. Bah, et pourquoi. Qu'est-ce que c'est fait là, ça? J'ai une clé. Basement? Oh merde. Basement? Je sais pas si. petit jeu d'horreur indé qui s'appelle. Il s'appelle Suite 776. Puis bah bon stream à toi aussi, le gars. Des bisous. Die, 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 die. Die, 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 die. Non, j'ai l'impression que c'est une musique. Ah putain, faut que j'attende que ma lumière se recharge. Oh sa mère. Non, mais là, je vois rien. C'est pas très sympa. Non mais c'est pas cool parce que je vois rien. Quand tu veux, tu payes EDF. C'était elle là? Non, c'est le mannequin. J'ai rêvé? Je vois des choses, hein, les moignons, hein, je crois. Hein. J'ai vu une silhouette, je vous jure. Oh, je vois que dalle, hein. C'est moi où les bruits se rapprochent. J'avoue, je suis pas bien là, quand même. Non, c'est stressant. Putain, puis la lumière qui dure 2 secondes. Le rire de dindon. Oh, t'arrêtes de faire ton dindon, là. Ça suffit, hein. Et si j'allais ring the bell? Est-ce que tu fais encore la maligne? Ah putain. Non, je peux pas ring the bell. Je crois que c'est ça qui s'est ouvert. Ah, ça doit être le basement. Attendez, on va attendre que ça recharge un petit peu. Qui a peur de mannequins en bois et tissu? Non, mais les mannequins. J'avoue, les mannequins en plastique font plus flipper parce qu'on voit un petit peu, tu vois, les traits du visage et tout. Mais les mannequins, c'est. Pas cool. Of course, basement, eh ben oui. Ah, je suis dans un cercle infini. Je suppose que si je reviens en arrière, je vais me faire voir. Ah oui. Ah bah oui. Pourquoi tu parles?
Je me porte la poisse à moi toute seule. Oh sa mère, j'avais pas vu en plus qu'il y avait les escaliers. Manu, alors dis-nous, excuse-moi, j'avais pas vu. Oh putain, je vois rien. Mais qui a des basements comme ça chez lui? Basement? C'est quoi ça? Je ne peux point le ramasser, on dirait un fusible, ou alors c'est juste pour éclairer, je ne sais pas. C'est fermé. D'accord. Oh là, mais il y a plusieurs passages et tout. Qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe? Bonjour. Pick up. Ah, ça c'est pour la porte qui est en haut, non? Je sais pas. C'est le sous-sol de Enigma, ça. Oh là, je suis perdu. Ok, attends, c'est pas pour ouvrir ça. Ah, ah si. Ok. Lumière. Ah. Oh ce bruit! Oh non non, enlève finalement! Oh la vache! Y'a un truc qui vient de passer là, non? Je ne suis pas totalement sûr. Lac, F6, bah pas moi. Banana du Airbnb, que personne n'y aille. Oh, ce bruit que ça fait. Et franchement, pour un monstre qui est pas très bien designé, ils ont quand même des bonnes idées, hein, d'apparition. Ah, il y a une photographie. Qui sont plutôt pas mal, quand même. Oh, ça me plaît. Je suis armée. On le refait en attendant. Ah, ça risque d'être un peu... Ah, d'accord. Répétitif, quand même, de le refaire, là. Oui, on a fait Spooky House of Jumpscare, Roro. Et c'était vachement bien, en fait. C'est méga addictif, cette merde. Enfin, je dis merde d'un ton affectueux. Non, franchement, le jeu était vraiment cool. Et le DLC était excellent. Donc j'ai hâte de voir le prochain. Bonjour. Tu veux que je ring the bell? Non, c'est bon. Ah, enlever ça, là. Yep. Ah, c'est furieusement pas cool, ça. Ah, mais quelle idée de merde. Ah, mais elle est pendue. Je n'avais... Putain. Mais ça suffit, il va faire peur, oui. Pourquoi j'ai mis cette extension? Pourquoi? Du coup, c'est Marcy qui s'est suicidé, quoi. Ah. C'est problématique. Oh, je suis désolée, Roro. Mais il y a un DLC qui va bientôt sortir, et je crois à la fin du mois. Et peut-être qu'on se refera Camari Hospital, parce qu'il y avait apparemment on a loupé des trucs. Elle est dégueulasse.
Ah. Mon journal. Mon nom est Joseph. J'écris ce journal, bah, au cas où. Elle est partie, c'est ça. C'est ça, quelque chose de mal. Je vais probablement mourir ici. Je suis venue enquêter. Oh, Marcy Shipping et ma mère. Ça, c'est le jeu qui m'appelle en mode, hey, viens là. Viens là, je vais te faire peur. Je suis en train de lire le jeu. Non, elle est toujours là. Petite photo, ma chérie? Putain, je peux pas ouvrir la porte, je peux rien faire. Montre-le au moignon. De quoi? Ah, elle est plus là, je crois. Non, elle est plus là. La piñata! Bah, elle est partie! J'aurais pas eu le temps de m'amuser. J'attends que ça recharge. Ça va casser le cerveau. Walk away. Attends, je suis revenu en arrière? J'ai rien compris. Ah, le fan art que tu m'as fait. Ah! J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, je crois. Peut-être qu'il y a un chemin pour, enfin, une voie pour sauver ma mère. Parce qu'on n'a pas suivi, en fait, le truc du dessin. On a... GameStat. Ah, il y a trois fins. Et oui, il manquait deux gold bars. On n'a pas ouvert la boîte. Ah, il y avait un easter egg à trouver, je ne l'ai pas trouvé. Il restait une photographie à trouver. C'est pour ça qu'on a eu une mauvaise fin, en fait. Eh ouais, le jeu m'a coûté 3 euros, les gars. Mais bon, il y a plusieurs fins. Oui, mon amour. Il y a plusieurs fins. Vous voulez qu'on... Ah, qu'on retente? Mais si, je lui réponds, arrêtez. Kiki, Kiki, c'est qui? C'est Kiki, c'est qui? C'est Kiki, c'est qui? C'est Kiki. Après, ah, vas-y, écrase-moi, je te dirai rien. C'est un peu con si je recommence et que c'est les mêmes jumpscares, les mêmes trucs scriptés et tout. Et je pense que ça sera la même chose. J'ai juste loupé des trucs. Quelle petite peluche à griffes. Ouais, par contre, elle a des bonnes griffes. Hein. Arrête! Tu veux bien lâcher mon pantalon? Lâche! Mon pantalon. Un petit bisou, Kiki.
Regardez, elle est posée comme une vieille merde et elle dit rien.